Bon, on continue. La finale, elle est pas nulle, hein. Elle est, oui, enfin, elle est nulle pour piquer dessus, faire de l'élevage, laisser sur un rocher de fécondation, mais sinon, elle n'est pas nulle. Elle était très sèche, hein. Il y avait, pendant ces 15 jours de froid, elle a bouffé vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ça, plus le fait que la hausse au-dessus, ça a fait consommer, tu vois. Idéalement, il aurait fallu passer, enlever les hausses. Et remettre après, hein. Ouais, c'est ma vie. On va mettre en vidéo, ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Donc la suivante, elle a eu son AOP en début mars. Donc je vais attendre. C'est quoi comme reine? 2020 hybride, ouais, même pas sur un picking, tu vois. Donc on va voir ce que ça dit. Il y a du pollen qui rentre devant. Fait chaud, fait chaud. Bon, bah, comme d'hab, il n'y a rien. En même temps, si j'avais laissé sans la hausse, je pense qu'elles auraient peut-être beaucoup plus essaimé. Là, elles ont eu de la place. En théorie, si c'est des bonnes reines, elles ont dû bah, vider du miel et agrandir le nid à couvain, quoi, mais on va voir, hein. C'est tellement différent d'une colonie à l'autre que elles réagissent pas pareil, hein. Oh, on n'a pas grand monde. Alors pourquoi? On va voir pourquoi, mais ça, ouais, ça purerait peut-être les sémages, ouais. Ça va, il n'y a plus personne, hein. Bye bye. Écoute. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, pousse-toi l'abeille là. Pousse. Ah non, là il y a une problème, hein. Il y a une petit problème, hein. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Si c'est essaimé, je te dis, je vais pas courir la colline pour les récupérer ici. Hein. Hop là. Alors, on a un cadre avec du pollen, 3 abeilles, du miel. Voilà, je pense que ça a dégagé ça. Je vois une grosse cellule en bas là. J'essaie de pas trop la secouer quand même. Voilà, puis je crois, sans dire de bêtises. Ouah, super, c'est juste ce qu'il fallait pas faire. Elle est ouverte ou elle commence à s'ouvrir. Tu vas assister à la naissance d'une reine. Regarde, c'est en train de s'ouvrir là. Ouais, ouais, ça gicle, ça se va traîner dans un coin, mais écoute. Allez, sort. Elle veut pas sortir. Alors. Ah non, non. Elle a été bouffée, pardon, autant pour moi. Elle a été bouffée sur le côté, tu le vois pas, mais. Regarde, tu vois. Bon, ok, donc on doit avoir une vierge là-dedans. On va essayer de la chercher, hein. Enfin, de la chercher. On va voir si on lui tombe dessus, hein. Voilà, des fois tu vois, c'est pas évident de voir que ça a essaimé parce que. Alors, regarde, c'est bourré de mâles. Tout ça, c'est des mâles.
Là, ça a été ouvert, là, ça a été ouvert. Voilà. Les cellules royales ouvertes, tu vois. Bah ouais, 21 jours sans visiter sur du colza, faut pas rêver, papa. Hein. Faut pas rêver. Donc là, il y a des vierges. Hein. En tout cas, au moins une. Alors, on va voir si jamais on arrive à en récupérer une. Pour faire un petit essaim. Mais... C'est évident hein, que ça allait s'aimer, hein, faut pas rêver. Hein. Elle rend du pollen. Hein. Ça serait vraiment extraordinaire qu'on tombe dessus. Par contre, tu vois, c'est bourré, bourré, bourré. Ouais, elles ont toutes, c'est blindé de vierges là-dedans. Ouais, elles sont toutes sorties. C'est con. Hein. J'aurais bien aimé en récupérer une ou deux là. On va voir. Hein. Quand est-ce qu'elles sont sorties? Ouais, ça bouffe du temps ces trucs. Hein. Les vierges, en plus, je te dis, ça court vite. Hein. Mais alors, sortir la pince à reine. Donc là, tu peux enlever la hausse, hein, le temps qu'elle sort de face. Ah, dès qu'il y a des vierges, c'est bourré de mal, hein. T'as vu, les gars? Je pense qu'elles sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ouais, soyez cool, soyez cool. D'ailleurs, là, je leur ferai... quoi qu'il... Ah non, elles ont eu le... Hop là. Un traitement d'acide oxalique. Je regarde un peu aux alentours, hein. Il faut qu'il y ait une boule d'abeille dans un coin, mais ça a dû faire un bel essaim primaire, ça. Il y a encore plein des abeilles. Mais... Allez, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Je prends une petite pince hein, si jamais j'en trouve une ou deux. Je la foutrai dans un paquet d'abeilles quelque part. Je sais pas s'il n'y en a pas une qui vient de s'envoler là. Ah, c'est blindé, blindé. Il n'y a que du mal. Hein. Regarde sur les cadres, t'as que du mal. D'ailleurs, tous les mâles s'envolent. Regarde. À mon avis, il y a une vierge. Prépare à se barrer, regarde, regarde les mâles. C'est que des mâles qui se barrent. Bon, on va lui laisser faire son vol de fécondation. Hein. Ouais, ils sont pas contents les gros. Hein. Tant pis, hein, elles se mangeront le nez. Hein. Oh, il y en a plein, tout ça c'est ouvert. Hein. C'est ouvert ça aussi, non? Ouais. On n'arrive pas à en voir une. Allez les gros mâles, on se calme là. Là aussi. Ah, il y en a. Ah, ah, ah. J'entends une chanter. Bon allez on ferme, on va pas s'amuser 107 ans, là c'est rigolo mais
Et voilà quoi. Allez, c'est ça, il s'est mis. Je laisse quand même la hausse parce que dès que la reine va être fécondée, elles vont reprendre le butinage, l'emmagasinage et je laisse la hausse. Ouais.